فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا إخوتي الكرام, nous sommes toujours dans la continuité de l'explication de ce livre, qui s'intitule Da'aim fi Minhaj an-Nubuwa, qui signifie, comme on l'avait déjà expliqué, les piliers ou les bases de la voie prophétique. Nous sommes arrivés à la page 56 du livre, donc sur un nouveau chapitre, Inch'Allah. Donc je vais vous demander toute votre attention, c'est un chapitre qui est très important, pour plusieurs raisons, comme on va le voir, Inch'Allah. Ce chapitre s'intitule Menhadj utalakki 'inda as-salafi fi al-aqidah. Menhadj utalakki 'inda as-salafi fi al-aqidah. Ce qui signifie la méthode quant à l'acquisition du credo ou du dogme ou de la croyance chez les salafs. Quelles sont les méthodes d'acquisition? Comment prend-on la aqidah? Comment se comporter face au texte du Coran et de la Sunna? Et comment se comporter d'une manière générale dans l'acquisition de cette science très importante? Ici, le mu'allif, il met en tête de ce chapitre Mabna al-aqidati ala at-taslimi wal-ittiba'. التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit que la base de la aqidah, c'est la soumission à Allah le Très-Haut et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous rappelle, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que ceci en fait correspond aux deux attestations d'unicité où Allah dit subhanahu wa ta'ala, où Allah dit subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, sache que nul ne doit être adoré qu'Allah. Donc ici c'est en fait unifier Allah dans l'adoration, ne l'adorer lui sans rien lui associer. La ilaha illallah, qui est le premier pilier d'Islam, ou la première partie du premier pilier d'Islam, qui est le plus important. Si ce pilier n'est pas respecté chez le croyant, c'est tout son islam qui est invalide. D'accord? C'est tout son islam qui est invalide, même si ses actes seraient aussi grandes que les montagnes de Tihama, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'importance de comprendre ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle la soumission à Allah dans l'adoration. C'est réaliser cette parole, la ilaha illallah. Nul ne doit être adoré qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et, bien sûr, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est là, qui représente la deuxième partie du premier pilier d'Islam, autrement dit, le fait de témoigner que l'envoyé d'Allah, ou que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes frères, la aqidah, comme on va le voir, le dogme, le credo ou la croyance, elle est basée sur ces deux choses-là. Autrement dit, à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement dans l'adoration, mais aussi dans les ordres qu'il nous enjoint de faire, et aussi dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers cette simple phrase qu'a citée le cheikh, on peut en déduire que notre religion, on ne l'apprend que d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La source principale de la religion et notamment de la croyance, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux sources de législation valables et authentiques. قال الزهري رحمه الله تعالى من الله عز وجل رسالة وعلى رسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. Ce qui signifie: le message de l'islam incombe à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. La transmission du message, elle incombe à qui? À l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous incombe à nous la soumission à ceci. L'imam al-Zuhri, Mohammed ibn Muslim ibn Atid ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn Al-Haris ibn Zohrat ibn Kilab ibn Muhra ibn Ka'b ibn Luayy ibn Ghalib ibn Fihr. Wa Fihr, c'est Koraïch. Donc l'imam al-Zuhri, c'est un Koraïchi. Il a vécu à l'époque des Tabi'in. Wa huwa min akabir al-Tabi'in. C'est un des plus grands Tabi'in. Quand on fait remonter la descendance ou l'ascendance de l'imam al-Zuhri jusqu'à Fihr, qui est Koraïch, bien sûr c'est une noble lignée, mais ceci n'a aucune espèce de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si la personne n'est pas sur la droiture ou la voie droite. Le poète n'a-t-il pas dit La amri mal insanu illa bidinihi fala tatruki taqwa tikalan ala nasab. Laqad rafa'a al-islam Salman al-Farisi. Il dit, par Allah, l'homme n'a de valeur que par sa religion. Ne délaisse pas la piété en t'appuyant justement sur ta lignée. Certes, l'islam a élevé Salman al-Farisi et le shirk a rabaissé le proche du prophète Abu Lahab. Vous voyez que l'islam n'attache aucune importance à la lignée. Sauf si c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, bien sûr, parmi les conditions par lesquelles Allah choisit un prophète, c'est qu'il est issu toujours d'une bonne lignée afin qu'il ait une notoriété auprès de son peuple. Mais ça, c'est spécifique aux prophètes et aux envoyés. Amma, le commun des gens, c'est secondaire. Donc l'imam al-Zuhri, bien que c'est un Qurayshi, mais il est connu pour être un grand savant de la sunna, si ce n'est un des plus grands savants à son époque. L'époque des Tabi'in. Jusqu'à ce que Abu Hatim al-Razi a dit Athbata ashabi Anas al-Zuhri. La personne la plus fiable parmi les élèves de Anas ibn Malik al-Sahabi, c'est Zuhri, l'imam al-Zuhri. Donc c'est un témoignage quand même probant et notoire. Et Omar ibn Abdelaziz, on avait parlé de lui. Certains l'appellent Al-Khalifa al-Khamis. Donc c'est un calife qui est mort en 101 de l'Hégire. Et qui est connu aussi pour sa science. Il a dit quelque chose à son assemblée. Avez-vous été voir Ibn Shihab? Ibn Shihab, c'est l'imam al-Zuhri. Alors, les gens qui étaient autour de Omar ibn Abdelaziz ont dit, nous comptions le faire. Alors il a dit, Omar ibn Abdelaziz, faites-le. Car il n'y a pas une personne actuellement plus savante sur la sunna du prophète et sur la voie des salafs que l'imam al-Zuhri. Donc ça c'est un petit peu pour vous montrer la valeur de cet homme. Et l'imam al-Zahabi aussi a dit, il a appris le Coran en 80 nuits. Par cœur, entier. L'imam al-Zuhri, en 80 jours, il a terminé le Coran. Comme ceci est rapporté dans Tazkirat al-Hufaz de l'imam al-Zahabi. Donc l'imam al-Zuhri, je vous rapporte sa parole qu'on a citée. Il a dit, le message incombe à Allah. La transmission incombe à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, il nous incombe la soumission. Je vous pose la question, mes frères. Cette parole-là qu'il a dite, l'a-t-il inventée de son propre chef? Ou alors il l'a prise des salafs. Il l'a prise de ceux chez qui il s'est assis. Bien sûr, il a pris cette parole-là de ceux de chez qui il s'est assis. Et en premier lieu, Sahaba. Il s'est assis auprès de Anas ibn Malik, de Amar ibn Khattab, de Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, de Souad ibn Sa'd al-Sa'idi et d'autres Sahabis. Il s'est aussi assis parmi les plus grands tabi'ins comme Sa'id al Musayyib et autres. Cheikh Raslan a dit وَفَهْمُ السَّلَفِ عند أهل السنة والجماعة هو الحجة هو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم وتوعد من اتبع غير سبيلهم. Donc Cheikh Raslan dit la compréhension des salafs chez les gens de la sunna est l'argument sur lequel il s'appuie et la preuve valide. C'est la parole qui tranche dans la croyance et autres, car ils étaient les meilleurs, les salafs de cette communauté, les plus savants et les plus pieux. Certes, Allah nous ordonne ainsi que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam de les suivre, de revenir vers eux et à menacer celui qui suit une autre voie. Non. Il dit aussi un peu plus loin, « Al-Aqidat al-Tahawiyah » Donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Lorsqu'on dit que Al-Aqidat al-Tahawiyah, ça signifie en fait que la croyance ou le dogme, il n'est pas exposé ou il n'est pas assujetti à l'interprétation que peut faire un tel ou un tel. Al-Tahawiyah, ça veut dire qu'elle est déjà arrêtée et définie. Il n'y a pas d'effort d'interprétation à faire dedans, ni rajout, ni diminution, ni transformation. D'accord ? C'est ça que ça veut dire al-aqidatu tawqifiyya. La majala fiha lil-ijtihadi. Il dit, Cheikh Raslan, il n'est pas permis de la prendre d'une source autre que la révélation, car elle renferme des choses de l'inconnu. C'est pour cette raison, mes frères, que la raison n'a pas sa place. Vous ne pouvez pas trouver une personne qui vient demain vous dire je pense que pour notre croyance, ceci est bien ou ceci n'est pas bien. Ceci, on n'a pas le droit de le faire. Pour la simple et bonne raison que la croyance, elle relève des choses de l'invisible. Et les choses de l'invisible, il n'y a que l'information véridique qui nous la valide. Et l'information véridique, c'est Allah qui nous la donne et le prophète à travers la révélation. Personne n'est monté dans les cieux ou est revenu de chez les morts pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans la tombe, ou qu'est-ce qui se passe dans les cieux, ou qu'est-ce qui se passera le jour du jugement. Ceci ne relève que de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il en a informé son prophète qu'il l'a transmise à sa communauté. Donc, sur la base de ceci, les musulmans n'ont pas à discuter, à rajouter ou retrancher quoi que ce soit de la croyance, de la aqidah. C'est ça que ça veut dire, al-aqidah tout tawqifiyya. Il n'est pas permis de la prendre d'une source autre que la révélation. Bien sûr, mes frères, on ne peut pas prendre notre dogme et notre aqidah du livre des chrétiens ou des juifs, ou alors du livre de un tel ou un tel, mais on le prend du livre d'Allah, de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça paraît clair, ça paraît évident, mais malheureusement, ça ne l'est pas pour tous les musulmans. D'accord ? Beaucoup de gens se sont égarés par rapport à ceci, et ils ont pris comme base de leur croyance les livres de philosophie grecque, comme on l'a déjà vu un petit peu. Non ? Alors, cette croyance, cette aqidah, elle renferme des choses de l'inconnu. La conception de l'être est incapable de cerner tout ce qu'elle renferme, ni même la raison et la science ne peut le concevoir. Donc, Alayna taslim. On revient à la parole de l'imam Zuhri, Alayna taslim. On doit, nous, se soumettre et ne pas discuter sur des considérations qui ne sont pas les nôtres. Puis il dit, l'imam al-Mu'allif, il dit وَكُلُّ مَنْ حَاوَلَ تَقْرِيرَ الْعَقِيدَةِ اسْتِمْدَادَهَا وَاسْتِمْدَادَهَا مِنْ غَيْرِ مَسَادِرِهَا الشَّرْعِيَّةِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِأَنَّ الْعَقِيدَةَ غَيْبِيَّةٌ فِي تَفَاصِيلِهَا فلا تدركها العقول استقلالا ولا تحيط بها الأوهام ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا غيرها. Il dit que chaque personne essayant de poser ou d'établir la aqidah en puisant dans des sources autres que ces sources légitimes, qui sont le Coran et la Sunna, a certes inventé sur Allah un énorme mensonge et a parlé sur Allah sans science, car la aqidah relève de l'invisible quant à ses détails. La raison ne peut la concevoir indépendamment de la compréhension des salafs, de même que les idées fausses ne peuvent la cerner, de même qu'elle ne peut être comprise ou appréhendée par les sens ou les sciences humaines ou autres. C'est clair, mes frères? Vous avez compris ceci? Non. Il dit ensuite, وَهَذَا الْاِعْتِقَادِ تَوَاصَلَ بِهِ أَجْيَالُ الْمُسْلِمِينَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ مِمَّنْ تَمَسَّكُوا بِهَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَزِمُوا غَرْزَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ كَتَبَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَئِمَّةٌ أَعْلَامٌ وَجَهَابِذَةٌ كِرَامٌ نُصْحًا لِلْأَنَامِ وَذَبًّا عَنِ الْإِسْلَامِ. Cette croyance fut transmise génération après génération par ceux qui s'attachaient à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en suivant scrupuleusement les traces des sahaba. Les grands savants ont rédigé le dogme des gens de la sunna, ceux-là même doués de sagacité et d'habileté. Et ils ont fait ceci à titre de conseil, pour porter conseil à leur communauté et à titre aussi de défendre l'islam. Voilà le but de la rédaction de ces ouvrages qu'on a hérité nous à notre époque. D'accord? Ces grands ouvrages dans le dogme et dans la aqidah qu'ont écrit nos plus grands savants, ils l'ont fait pour ces deux raisons. Premièrement, ils l'ont fait pour que la communauté de l'islam ou les générations futures puissent avoir accès à ce sur quoi était le prophète et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, bien sûr, et ça on le reverra en détail, c'est surtout pour défendre l'islam de tout ce qui est rentré dans l'islam et qui ne fait pas partie d'elle. Ou qui ne fait pas partie de lui plutôt. Toutes ces innovations religieuses qui ont détruit l'islam de l'intérieur. Donc, la rédaction de ces ouvrages a eu pour but justement de mettre en garde et de purifier l'islam de tous ces rajouts, de toutes ces altérations, de toutes ces diminutions et autres choses préjudiciables. Puis, le mu'allif dit un peu plus loin, وَكُلُّ عَقِيدَةٍ تُخَالِفُ مَا أَصَّلُوهُ وَتُنَاقِدُ مَا قَرَّرُوهُ فَهِيَ عَقِيدَةٌ بِدْعِيَّةٌ زَائِغَةٌ رِدِّيَّةٌ وَحَسْبُكَ أَيُّهَا السُّنِّي عَقَائِدَ السَّلَفِ فَإِنَّ فِيهَا الْخَيْرَ كُلَّ كُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَغْرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ. Toute croyance ou tout dogme qui viendrait contredire ou s'opposer à ce qu'ils ont établi comme fondement est un dogme innovateur, déviant et un dogme qui est à exclure. Il te suffit, ô toi le sunni, la croyance des salafs, car en elle, il y a tout le bien et tout le bien se trouve dans le suivi des salafs et tout le mal se trouve dans l'innovation de ceux qui ont contredit les salafs. Un peu plus loin, l'imam al-Mu'allif Mohammed Saïd Raslan hafidahullah tabaraka wa ta'ala rapporte la parole de l'imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui est un savant du 5e siècle de l'Hégire. قال في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث يقول وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة. Il dit, concernant les gens du hadith, ceux qu'on appelle les gens du hadith, et on avait vu un petit peu la semaine dernière, qui sont les plus à même d'être appelés Ashabul Hadith. Les gens du hadith, Allah a désigné ces personnes comme étant les piliers de la charia, de la législation, et a détruit par leur biais toute innovation immonde. Ce sont les garants d'Allah pour les gens, le lien entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, les assidus dans la préservation de la religion. Leur lumière est éclatante, leurs mérites sont répandus, connus, Leurs signes sont resplendissants, leur voix claire et évidente, et leurs arguments sont supérieurs, c'est-à-dire dominateurs. Ils ont toujours l'argument qui va venir contrecarrer ceux qui dévitent cette voie-là. Puis il dit وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوًا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ وَالسُّنَّةَ حُجَّتُهُمْ وَالرَّسُولَ فِئَتُهُمْ وإليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته. Il dit, chaque groupe prenant parti pris pour des passions revient toujours à elle. C'est-à-dire chaque groupe qui a pris comme fondement des passions, comme on l'a vu par exemple Sophia, ceux qui font devancer leurs sentiments sur les textes religieux, lors de problèmes, ils reviendront toujours à leur fondement qu'ils ont établi pour leur croyance ou leur voix. Il dit, et chaque groupe qui approuve un avis s'accrochera toujours à lui, sauf les gens du hadith. Car le livre, le Coran, et leur provision, la sunna, leur argument, l'envoyé d'Allah constitue le groupe sur lequel il s'attache, lui et ses compagnons. Et à lui, il s'affilie. Ils ne s'arrêtent pas sur les passions, et ils ne tiennent aucune rigueur aux avis donnés sans science. On accepte d'eux ce qu'ils ont rapporté de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les dignes de confiance et les plus intègres quant au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les gardiens de la religion et les récipients de la science et ceux qui la portent. Donc c'est un brillant hommage que fait l'imam Khatib al-Baghdadi sur les savants de la sunna. Hein? Puis il dit إِذَا اخْتُلِفَ فِي حَدِيثٍ كَانَ إِلَيْهِمُ الرُّجُوعُ فما حكموا به فهو المقبول المسموع. Lors d'une divergence sur un hadith, c'est vers eux que l'on revient, et leur jugement est celui qui est accepté et écouté. ثم يقول وكل مبتدع, un peu plus loin il dit وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر من كادهم قسمه الله ومن عاندهم خذله الله لا يدغرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم والمحتاط لدينه إلى إرشاده الفقير وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير. Par leur croyance, chaque innovateur est dévoilé et n'ose pas déclarer son appartenance à une autre voie que la leur. Celui qui les combat, celui qui combat ses savants, que ce soit par l'épée ou par la parole, ou les trompe ou les blâme, Allah le brise. Et celui qui s'entête contre eux, Allah le délaisse. Celui qui les délaisse ne peut leur nuire, et ne réussit celui qui s'écarte d'eux. Le soucieux de sa religion est indigent quant à leur orientation, l'orientation qu'ils donnent aux gens. Celui qui porte un mauvais regard sur eux est myope ou amétrope, c'est-à-dire il ne voit rien, son regard est flou, et Allah est capable de les secourir, ces savants. Donc ça, c'était une petite introduction. يقول المؤلف بعد ذلك ويتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور. Donc il dit que la voie des salafs concernant l'acquisition de la aqidah, elle se fait sur trois points principaux. Trois points principaux. Le premier, c'est la restriction quant aux sources. Ça, il faut bien le comprendre, mes frères. Essayez de comprendre ces trois points, c'est important. Même si vous ne prenez pas des notes, mais essayez de les avoir en tête, Inch'Allah. Premièrement, c'est la restriction quant aux sources de législation. Et les sources de législation, ce sont le livre d'Allah et la sunna du prophète, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est le premier point à comprendre, si ce n'est le plus important. Le livre d'Allah, la sunna du prophète, Mais il y a un rajout. C'est comprendre ces textes du Coran et de la Sunna à la lumière de la compréhension des salafs. Et on a vu que les salafs, en premier lieu, ce sont sahaba, compagnons du prophète, puis ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Et ceci est important, ce rajout il est important mes frères, car tout le monde se réclame, chaque personne qui est musulmane se réclame du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Mais le problème c'est que dans la réalité des choses, dans leur quotidien, dans leur vécu, nous voyons que beaucoup de musulmans qui se réclament du livre d'Allah et de la sunna du prophète, en réalité ne sont pas sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui nous le prouve ce sont leurs actes, leurs propos ou leurs croyances. Donc c'est très important de dire Ana attabi'u al-kitab wa sunna ala fahmi sahabati al-kiram wa ala fahmi salafi al-ummah. C'est très important de dire ceci. Et à notre époque aussi, les savants ont mis l'accent sur ceci, notamment Cheikh Al-Bani, où je vous conseille de revenir à une série de cours qu'il avait fait qui s'appelait Ma'na Salafiyya, Aous Salafiyya, où il explique très très bien ceci. D'accord ? Pour ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah. Donc, voilà la restriction, mes frères, dans les sources de législation. Livre d'Allah, sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais y revenir plus tard, et sous la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont en premier lieu les sahaba. يقول الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمة الله تبارك وتعالى عليه شيخ الإسلام والذي عاش في القرن السابع الهجري بين السابع والثامن الهجري. C'est un savant qui a vécu entre le 7e et le 8e siècle de l'Hégire. يقول أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. Il dit في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: quant à la croyance, on ne l'apprend pas de moi, ni de celui qui est plus savant que moi, mais on l'apprend d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et du consensus de la communauté des salafs, des pieux prédécesseurs, et du consensus de la communauté des salafs. Et là ici, le Cheikh al-Islam, il a résumé les trois sources de législation principales, qui sont le livre d'Allah, la sunna du prophète, wa ijma' al-sahaba, le consensus ou l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois choses constituent la preuve légitime ou légale dans l'islam. Ça constitue des preuves sur lesquelles on peut s'appuyer pour notre croyance ou pour nos actes d'adoration quotidiens. Puis il dit, ce qui est dans le Coran est obligatoire quant à y croire, quant à sa croyance. Et même que les hadiths authentiques, comme ce qui est dans le Sahih al-Bukhari ou le Sahih de Muslim. Donc ça c'est le premier point à bien comprendre, Inch'Allah. Le deuxième point, concernant la voie des salafs sur l'acquisition de la aqidah. يقول المؤلف ثانيا يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد. Je vais devoir expliquer un petit peu là, Inch'Allah, rentrer un petit peu dans les détails. Mais Inch'Allah, ça sera profitable pour vous, Inch'Allah. Il dit, deuxième caractéristique ou deuxième méthode chez les salafs, ils s'appuient sur la sunna authentique, dans la aqidah. Que le hadith soit mutawatir ou qu'il soit ahad. Je vais expliquer c'est quoi cet istilah ou cette terminologie. Que le hadith soit mutawatir ou ahad. Et non pas comme ceux qui ne valident pas le hadith ahad dans la croyance. Qu'est-ce que veut dire le hadith mutawatir? Que signifie le hadith al-ahad? Pour comprendre ceci, on va faire un petit cours de mustalah al-hadith, des succès, Inch'Allah. Le hadith mutawatir, mes frères, il faut savoir que l'information qui vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les savants l'ont divisé en deux grandes catégories par rapport à son mode et à la façon dont il nous est parvenu. Binisbati kayfiyatil wusuli ilayna. Comment l'information du prophète nous est venue, les savants l'ont divisé en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle al-mutawatir, ce qu'on appelle al-ahad. Al-mutawatir, c'est quoi? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous est parvenu, mais l'on constate que à chaque couche de narration, à chaque génération, si on peut dire comme ça, mais c'est pas vraiment génération, mais à chaque couche de narration, on a une multitude de rapporteurs. Et quand je dis une multitude, il n'y a pas un nombre défini. On va dire un nombre conséquent. Ça peut être 10, ça peut être 30, ça peut être 70 personnes. Et ça, à chaque génération, on a une multitude de rapporteurs sur un seul hadith. Qui nous amène à quoi? Qui nous amène à dire que tous ces narrateurs-là, dans chaque génération, ils n'ont pas pu se rassembler ou comploter entre eux pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith al-mutawatir, en conclusion, on n'a même pas besoin de faire d'études, l'étude du hadith, quant à savoir l'intégrité religieuse et la fiabilité des gens, des narrateurs sur le hadith. On n'a même pas besoin de faire toute cette étude. On en conclut directement que le hadith mutawatir, on sait de source sûre qu'il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Je vous donne un exemple de hadith mutawatir. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Man kazaba aliya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi impunément ou volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith-là, lorsqu'on veut étudier sa chaîne de transmission, on constate que il n'y a pas moins de 60 compagnons qui ont rapporté ce hadith. 60. Pas moins. C'est-à-dire qu'il y en a 60 ou plus. Ensuite, parmi la génération qui ont suivi les Sahaba et qui ont pris ce hadith des Sahaba, on en a une multitude, innombrable. Puis, la génération d'après, une multitude encore plus grande, etc., jusqu'à ce qu'elle s'est arrivée à Sahib al-Kitab al-Bukhari wa Muslim. On se pose la question, est-ce que les Sahaba, ils se sont réunis? On prend le raisonnement à l'envers, ça c'est pour répondre sur les chiites. Est-ce que les Sahaba se sont réunis et se sont dit, on va mentir sur le prophète, nous les 60 personnes, on va mentir sur le prophète et on va rapporter ce hadith? C'est impossible. D'accord? C'est impossible que 60 Sahaba, ne serait-ce qu'un seul, mentiraient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on passe à la deuxième génération. Est-ce que une multitude de gens qui vivent dans des contrées différentes, ils ne se sont jamais connus, est-ce que c'est possible que ces gens-là puissent tous se rassembler pour dire on va mentir sur le prophète et on va inventer un hadith sur lui? C'est impossible. Et bien, mes frères, quand on a un hadith de ce type-là, mutawatir, c'est-à-dire qu'on a une multitude de narrateurs à chaque génération, alors on n'a même pas besoin de faire d'études sur la chaîne de transmission ou sur l'intégrité et la fiabilité des narrateurs. On en déduit forcément que le hadith, il est authentique, sahih. Ça, c'est ce qu'on appelle le hadith et le mutawatir. D'accord? Mutawatir, ça vient du verbe tawatir, qui veut dire tataba'a. Savants disent huwa ma rawahu adadun kathirun ghayru mu'ayyin. Min haythu tuhilu al-'adatu tawatu'ahum 'ala al-kadhib. Le hadith mutawatir, c'est ce qu'a rapporté un grand nombre de narrateurs, où on ne peut pas, où il est impossible qu'ils se sont tous rassemblés pour comploter, pour mentir sur le prophète, assalatou wassalam. Et ceci, bien sûr, en s'appuyant sur al-hawas, c'est-à-dire les cinq sens, c'est-à-dire en disant j'ai entendu l'envoyé d'Allah, j'ai vu l'envoyé d'Allah, j'ai senti, j'ai touché, d'accord? En s'appuyant sur les cinq sens, et pas en s'appuyant sur la raison, en disant je pense que le prophète a dit ça. Non, ça c'est pas le mutawatir. Donc voilà, en résumé, le hadith al-mutawatir, yufidu al-ilm al-yaqini, il implique forcément une science certaine, sans équivoque. Donc parmi les hadiths, il y a celui-là, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. C'est un hadith mutawatir. Et on a en contrepartie à l'opposé, le hadith ahad. Alors celui-là, il fait objet, il doit faire l'objet d'une étude. Pourquoi? Car celui-là, justement, il ne remplit pas les conditions du mutawatir. C'est que celui-là, il n'y a pas un nombre conséquent de narrateurs à chaque tabaqa, c'est-à-dire à chaque génération. Un exemple, un hadith que vous connaissez tous, c'est le hadith de Amar ibn Khattab. C'est le premier hadith Sahih al-Bukhari, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Innama al-a'malu bin niyyat, wa innama li kulli mri'in ma nawa, afwan, innama al-a'malu bin niyya, wa fi riwaya bin niyyat, wa innama li kulli mri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. » Hadith où Omar ibn Khattab disait, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les actes ne valent que par leurs intentions. D'accord? Hadith que vous connaissez tous, vous avez déjà tous entendu. Il faut savoir que ce hadith-là, il n'y a que Omar ibn Khattab qui l'a rapporté du prophète. C'est le seul, ça ne veut pas dire que c'est le seul qui l'a entendu du prophète, mais c'est le seul qui l'a rapporté du prophète. Il n'y a que Omar, il n'y en a aucun autre. Aucun autre sahabi a rapporté ce hadith dans ces termes-là, si ce n'est Omar ibn Khattab. Vous voyez que là, on est loin du mutawatir. Où le mutawatir, il fallait une multitude de compagnons qui rapportent déjà du prophète. Là, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est l'extrême. Et ne l'a rapporté de Omar ibn Khattab qu'un seul tabi'i, qui est Alqamah ibn Abi Waqqas. Donc là aussi, dans la deuxième tabaqa, dans la deuxième génération, il n'y a qu'un homme qui l'a rapporté de Omar ibn Khattab. Et ensuite, il y a Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, la génération d'après, c'est lui seul qui l'a rapporté de Alqama. Et après, il y a Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui est le seul à l'avoir rapporté de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. C'est-à-dire, sur quatre tabaqat, on a un seul homme à chaque fois. Et ensuite, de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, une multitude de gens l'ont rapporté. À partir de ce moment-là. Vous avez le prophète qui a dit cette parole, Omar ibn Khattab, après il y a Alqama, après il y a Muhammad ibn Ibrahim, après il y a Yahya ibn Sa'id. Et après Yahya ibn Sa'id, une multitude de gens. C'est ce qu'on appelle ça le hadith al-ahad. C'est-à-dire qu'il ne remplit pas les conditions du mutawatir. On n'a pas à chaque génération une multitude de rapporteurs. Mais là, on est même dans l'opposé. On en a un sur les 4 premières. Un rapporteur à chaque fois. Alors ce genre de hadith, il convient de faire une étude minutieuse dessus, à savoir est-ce que le hadith il remonte bien au prophète, est-ce qu'il est valide du point de vue de sa chaîne de transmission. Alors on va faire l'étude de Omar ibn Khattab. On sait que les sahaba, ils sont tous fiables et tous intègres dans leur religion. Donc leur hadith, il est tous accepté. Tous les hadiths des sahaba, ils sont acceptés. Donc on passe à la génération d'après. On regarde Alqamah ibn Abi Waqqas. On regarde c'est qui cet homme. Quand est-ce qu'il est né, chez qui il a appris? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la voie des sahaba, qui est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est fiable dans la transmission? Effectivement, après une étude approfondie sur cette personne, les savants ils ont dit thiqa, c'est-à-dire il est intègre, on prend de lui. Alors on a fait l'étude après sur l'autre, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, pareil, thiqa. Et on a fait l'étude sur Yahya ibn Sa'id al-Ansari, thiqa. Donc vous voyez que ces 4 hommes-là, bien qu'ils soient les seuls à avoir rapporté à leur génération respective le hadith du prophète, mais ils sont tous fiables. Et ensuite, une multitude de gens l'ont rapporté de Yahya ibn Sa'id, parmi eux, Sufyan al-Thawri, d'autres, etc. Donc vous voyez que ce hadith-là, il est sahih. Bien qu'il est ahad, il est sahih. Ahad, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Ahad, ça veut dire que il va falloir le mettre sous la loupe, à la lumière des muhaddithines, des savants du hadith. Donc, vous avez compris la différence entre le hadith ahad ou le hadith mutawatir. La plupart des hadiths du prophète, ils sont de cette deuxième sorte. Ils sont ahad. Des fois, dans une tabaqat, on peut trouver 2 hommes. Comme le hadith du prophète, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Hadith dans le Bukhari, d'après Anas ibn Malik. Donc, si on retrace un petit peu l'étude de cette chaîne de transmission, on voit que de Anas ibn Malik, il y a 2 hommes qui l'ont rapporté. Et après, il y a 2 hommes, etc., etc. Pas plus. Donc, il reste ahad, etc. Donc, vous voyez que la plupart des ahadiths du prophète, ils sont ahad. Ils sont de cette deuxième sorte. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont fait cet effort. Pour savoir, il faut qu'on soit sûr de l'intégrité de la personne qui ramène ou qui narre le hadith du prophète ou qui transmet le hadith du prophète. Donc il y a toute une étude minutieuse dessus. Voilà la différence entre le hadith et l'ahad ou le mutawatir. Je reviens maintenant à la parole du muallif. Il dit, les gens de la sunna, ils s'appuient sur la sunna authentique dans la aqidah. Que le hadith soit mutawatir ou qu'il soit ahad. Non. Peu importe la façon dont il a été transmis, dès lors que le hadith il est authentique, c'est une source de législation sur laquelle on peut s'appuyer. Que le hadith soit mutawatir ou ahad, et non pas comme ceux qui ne valident pas le hadith ahad dans la croyance. Il dit, Cheikh l'Islam, عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخاسي وأبي بكر الغرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خويز من داد وغيره من المالكية والقاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. Cheikh l'Islam, il dit, la non-distinction entre les deux ahadith, hadith mutawatir ou al-ahad, dans la croyance, ça c'est le mazhab, c'est la croyance sur laquelle étaient les grands savants parmi les quatre écoles. Et ceci est rapporté dans les livres des Hanafites, Hanafiya, des Malikites, des Shafi'ites et des Hanabila, des Hanbali. Des Hanafites comme l'a rapporté Abu Bakr al-Razi ou al-Sarkhasi dans leurs livres, qui sont des grands savants de l'imam de l'Madhhab al-Hanafi. Ou alors des Shafi'ites, comme l'a rapporté Abu Hamid al-Ghazali ou Abu Tayyib. Comme dans les livres des Malikites, comme l'a rapporté Ibn Khuwayz al-Mindad et d'autres. Et dans les livres des Hanabila de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme l'ont rapporté Al-Qadi Abi Ya'la ou Ibn Abi Moussa et d'autres. Hein? Donc c'est quelque chose qui est connu. D'accord? La non-distinction, on prend notre croyance, notre aqidah, que le hadith soit mutawatir ou qu'il soit ahad, contrairement aux gens d'innovation qui eux ne prennent pas leur croyance, la aqidah du hadith ahad. Et on va voir pourquoi. Pour comprendre ceci, mes frères, je vous ai rapporté un petit peu ce qu'avait expliqué Ibn Abil'iz al-Hanafi, celui qui a fait le commentaire de l'Aqidat al-Tahawiyah. Il dit, l'imam al-Tahawi a dit dans la croyance de l'Aqidat al-Tahawiyah, il a dit, tout ce qui était authentifié de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la législation et l'éclaircissement est véridique. Cette parole de l'imam al-Tahawi est importante. Tout ce qui a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le hadith soit mutawatir ou ahad. C'est ça qu'il veut dire. C'est sur ça que l'imam al-Tahawi fait allusion. D'accord? Comme va l'expliquer plus loin Ibn Abil'iz al-Hanafi, le commentateur. Il dit, le commentateur de cette parole-là, donc c'est l'imam Ibn Abil'iz al-Hanafi qui est un contemporain de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh, l'imam al-Tahawi, montre ici par cette phrase la réfutation sur al-Jahmiyyah et aussi une réfutation sur le Mu'tazila et sur les chiites, al-Rawafid. Cela même qui déclare que les informations se divisent en deux parties. Écoutez bien, ils disent, ces gens de l'innovation, ils disent on a le mutawatir. Regardez bien ce qu'ils disent sur le mutawatir. Le mutawatir, il ne prouve pas de façon décisive ce qu'on cherche à prouver, même si du point de vue de la chaîne de transmission, elle indique que l'information remonte de façon certaine au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce genre de hadith ne prouve pas la certitude. Ils disent que le hadith mutawatir, on sait pertinemment qu'il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par sa chaîne de transmission, car on a une multitude de rapporteurs à chaque génération, etc. Mais malgré ceci, ils disent quoi? Écoutez bien, ils disent, mais on ne peut pas dire de façon décisive que ceci nous prouve que l'information est véridique à 100%, et qu'on peut prendre la parole du prophète à 100%. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que le Coran, il est de quel type? Il est mutawatir ou ahad? Comment il a été révélé le Coran? Mutawatir. C'est-à-dire les Sahaba, ils ont pris le Coran du prophète à salam. Et puis les générations d'après, ils ont pris le Coran mais de l'ensemble des Sahaba. Donc, le Coran a plus forte raison, plus que le hadith, il est mutawatir. C'est-à-dire qu'il était appris, retenu par cœur, écrit, etc., etc. Il n'y a pas aucun doute sur le fait que le Coran, c'est celui que lisait le prophète ﷺ et qu'il avait entre ses mains il y a 1500 ans. Donc eux, ils disent que le mutawatir, on doute aussi. Donc ils sont en train d'attenter aussi à la véracité du Coran. Et pourquoi? Tout ça pour renier les noms et les attributs d'Allah, ou pour renier les choses qui ont attrait au qadar, ou certaines lois religieuses. Donc voilà ce qu'ils disent. Par ceci, ils atteintent, donc l'imam Ibn Abil'iz al-Hanafi a dit, par ceci, ils portent atteinte dans la preuve concernant les attributs d'Allah que le Coran donne à ceux-ci. Voilà leur but. Ils disent, maintenant concernant le hadith ahad, regardez ce qu'ils disent. Le hadith ahad n'implique pas la science certaine ou la certitude. Il n'est pas pris en compte du point de vue de sa chaîne de transmission, ni de son matn, ni de son contenu. C'est-à-dire qu'ils le rejettent en bloc. Ibn Abil'iz dit, par ceci, le rejet des hadiths ahad, ils ont obstrué les cœurs sur la connaissance du Seigneur concernant ses noms et ses attributs. Ses actes aussi, les actes d'Allah. Et ceci par le biais de l'envoyé, c'est-à-dire en attendant à la sunna directement. Ils ont poussé les gens à des considérations ou problématiques fictives ou illusoires, et des règles fictives qu'ils appellent, eux ils les appellent des certitudes rationnelles, ou des preuves tranchantes. Donc, ilm al-kalam, d'accord, c'est ce qu'on avait vu. C'est, je fais d'abord, j'édicte mes règles, tirées de ma raison, qui est déficiente ou qui est définie, et j'essaie de chercher dans les textes religieux qui vient conforter ce que j'ai déjà établi moi. D'accord? Ça, c'est le propre des gens de la religion, des gens de l'innovation. Il dit plus loin, Ibn Abil'iz al-Hanafi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent en avant les règles, ces règles inventées au détriment des textes de la révélation, en s'écartant par ceci des textes religieux. Leurs cœurs se sont désertifiés de la guidée des textes religieux et ils n'ont pas pu atteindre les problématiques liées à la raison saine, celle-là même appuyée par la saine nature et les textes prophétiques. S'ils s'étaient soumis à l'arbitrage des textes de la révélation, ils auraient atteint l'objectif demandé de l'authentiquement raisonnable en accord avec la saine nature. Mais en fait, chaque secte innovatrice expose les textes religieux à ses fondements innovés et ce qu'ils pensent être de la raison. Si ces textes sont en accord avec leurs fondements, ils disent c'est muhkam et ils acceptent et le prennent comme argument. Et ce qui contredit leurs fondements, ils disent c'est mutashabih et ils le rejettent en l'appelant tafwid ou en déformant le sens voulu et en appelant ceci ta'wil. En fait, c'est du tahrif. Muhkam, ça veut dire quoi? En résumé, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. مِنْهُ آيَاتٌ. Il y a parmi les versets de ce livre des versets muhkam et des versets mutashabih. Ces versets muhkam sont la base du livre, Umm al-Kitab. Et d'autres versets qui sont mutashabih. C'est quoi le muhkam? C'est quoi le mutashabih? Al-muhkam, dans ce verset-là, il signifie tous les versets qui sont clairs de sens, comme par exemple Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah est créateur de toutes choses. Est-ce que ceci a besoin d'une explication? Ce sont les versets muhkama, ou comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay'un. Nul n'est comparable à Allah. Ou Qul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Al-ahadiyya fi kulli shay. Allah est unique dans ses noms, ses attributs, ses actes, dans toutes choses. Donc ce sont des versets muhkam qui ne sont pas ambigus d'explication des savants. Et il y a le verset mutashabiha. Ces versets mutashabiha qui ont besoin de l'explication des savants et qui ont besoin pour être compris d'être ramenés aux versets qui sont sans ambiguïté. Muhkam. Par exemple, Allah dit subhanahu wa ta'ala, mais ces deux mains à Allah sont largement ouvertes. Vous savez que les Juifs avaient dit les Juifs ont dit que les mains d'Allah sont fermées. Alors Allah dit que leurs mains soient fermées à jamais, c'est-à-dire qu'ils soient touchés par l'avarice et qu'ils soient maudits pour leurs propos. Mais les mains d'Allah sont largement ouvertes et il dépense comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Les mains d'Allah sont largement ouvertes. Ça veut dire quoi, les mains d'Allah? Ça, c'est un verset mutashabi dans le sens où la réalité de l'attribut d'Allah, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, la réalité. Est-ce que quelqu'un sait comment elles sont les mains d'Allah? On ne le sait pas. Et on ne peut pas le savoir, car notre raison est limitée. Donc, c'est un verset qui porte à ambiguïté dans le sens où on doit le ramener à quelque chose qui est solide, muhkam. Et la chose qui est solide dans les noms et les attributs d'Allah, c'est le verset coranique où Allah dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir » Nul n'est comparable à lui, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah, il a bien deux mains, mais on ne sait pas comment elles sont, et chose sûre et claire, c'est qu'elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. Car Allah dit dans un verset clair « Laysa kamithlihi shay'un » Nul n'est comparable à Allah. Vous voyez que ce genre de verset-là, si on le prend tout seul, on risque de s'égarer. Mais si on le ramène à quelque chose, à une base solide, à un verset qui est muhkam dans le Coran, et qui est décisif, qui est clair de sens, alors là on regroupe tous les versets, ça on va le voir plus loin, et on en déduit la règle religieuse. Vous avez compris? Raddul mutashabi ila al-muhkam. Donc ça c'est ce que font les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna, ils rassemblent les textes religieux, notamment les versets qui peuvent prêter à confusion, ils le ramènent sur les versets qui sont clairs de sens, al-muhkam. Et ensuite, ils disent voilà, al-hukm al-shar'i fihi, le statut légitime sur ceci, ou le statut légal sur ceci, ou la croyance sur ceci. Vous avez compris? Un autre exemple pour que ça soit plus clair pour vous. Allah dit tabaraka wa ta'ala وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Celui qui désobéit à Allah et à son prophète et qui dépasse ses limites, nous le rentrerons dans le feu de l'enfer pour qu'il y demeure éternellement. Si on prend ce verset tout seul, en fermant les yeux, en faisant abstraction de tous les autres versets qui se rapportent à ce sujet, la personne, elle va avoir peur. Parce qu'on fait tous des péchés, oui ou non? On fait tous des péchés. Tous les fils d'Adam font des péchés, mais les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent à Allah. Donc on fait tous des péchés, plus ou moins grands, hein, volontaires ou involontaires. Alors, si on applique juste ce verset-là, on dit, celui qui désobéit à Allah, le verset il est clair comme ça, celui qui désobéit à Allah et qui dépasse les limites d'Allah, Allah le fera rentrer en enfer pour y demeurer éternellement. Est-ce que la chose elle est comme ça dans la réalité? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce verset-là, il faut le ramener aux autres versets qui correspondent à ce sujet. Non? Où Allah dit tabaraka wa ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Ça certes, celui qui fait du shirk et qui meurt dans cet état-là, alors Allah ne lui pardonne pas. Mais en dessous du shirk, en dessous de l'associationnisme, Allah pardonne à qui il veut. Donc la personne, elle peut faire une marsiya, un péché, Allah peut lui pardonner. Alors, le Coran, et c'est pour ça qu'on revient à ça, le Coran, il faut le comprendre comme les Sahaba l'ont compris. Pas comme nous, on veut le comprendre. On n'a pas le recul nécessaire et la science nécessaire pour comprendre la religion. Alors que les Sahaba, ils ont vu l'application de la religion, comme on l'a vu la semaine dernière, de leurs propres yeux, en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, rappelez-vous ce qu'avait dit Ibn Abbas lorsqu'il avait été voir le Khawarij. Le Khawarij, c'est une secte qui, justement, excommuniait les musulmans par le simple péché. Et il prenait ce genre de verset comme argument. Hein? Il prenait ce genre de verset pour argument. Ibn Abbas, il a fait une munazara avec eux. Il a discuté avec eux en leur faisant comprendre les choses. Hein? Il a dit, ce n'est pas comme ça qu'on comprend le verset. On comprend le verset dans l'ensemble du Coran. Hein? Et ce verset-là, alors, pour quelle raison Allah l'a cité de telle façon? Et bien sûr, mes frères, ou bien ça veut dire à titre de menace ou d'exhortation sévère, hein? Ou bien ça veut dire ceci, ou alors ce verset-là, al-isyan huna al-maqsoud bil-isyan huna al-shirk, hein? Ou al-kufr. C'est-à-dire le sens ici de la désobéissance dans le verset, c'est ou bien le shirk ou bien la mécréance. Voilà que ce verset-là, il s'explique avec l'ensemble des autres versets. Donc c'est un verset qui est mutashabi, et pour l'expliquer, on revient à quelque chose qui est muhkam, d'accord, comme d'autres versets du Coran. Vous avez compris? Il dit, l'imam Ibn Abil'iz al-Hanafi, il dit, ce qui contredit leur fondement, ils disent, c'est mutashabi. Ce qui contredit leur fondement qu'ils ont inventé eux, il y a une explication, il faut l'expliquer. Et ce qui est en accord avec leur fondement, ils disent, ah, c'est muhkam. Ils jouent avec les textes religieux. C'est pour cette raison, il continue, que les gens de la sunna ont été très durs envers eux dès les premiers temps, notamment sur ce genre de choses et de considérations. Ils ont été très durs avec eux, afin de mettre en garde les gens contre eux, ces fondements faussement établis et invalides. Il dit, la voix des gens de la sunna, c'est qu'ils ne s'écartent pas du texte authentique et ils ne confrontent pas ou mettent en opposition la raison saine avec les textes ou la parole d'un tel, comme l'imam al-Tahawi a fait allusion à ceci. Il dit, comme fut rapporté de l'imam al-Bukhari, qui a dit, j'ai entendu le Humaydi dire, nous étions auprès de l'imam al-Shafi'i, et un homme est venu en le questionnant sur un problème. Alors l'imam al-Shafi'i a dit, Qada Rasulullah kaza wa kaza. Le prophète a décrété, concernant la question que tu me poses, le prophète a dit ou a décrété ceci et ceci. Ensuite l'homme a dit, et toi, que dis-tu sur ce problème? Alors l'imam al-Shafi'i dit, subhanallah, est-ce que tu me vois dans une église? Est-ce que tu me vois dans une synagogue? Est-ce que tu me vois dans un chasuble? Vous savez quoi, le chasuble? Zannar. Ce que mettent les moines. Vous savez que les moines, ils légifèrent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils inventent des règles. Alors l'imam al-Shafi'i dit, est-ce que tu me vois dans une église? Ou dans une synagogue? Ou vêtu d'un chasuble? Il dit ensuite, je te dis, le prophète a dit ou a décrété, et toi tu me dis, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Allah al-Musta'an. L'imam Ibn al-Qayyim a dit, fi Mukhtasar al-Sawa'iq, il dit, وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. هذا التفريق, le fait d'avoir fait la distinction entre le hadith mutawatir et le hadith al-ahad. Ibn al-Qayyim il dit, وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة. فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات. Il dit, cette distinction entre le hadith ahad et mutawatir que font les gens de l'innovation est nulle et invalide. Et ceci à l'unanimité de la Ummah. Donc il a déclaré quoi? Le consensus des savants sur ça. Les savants, même la Ummah, ne font aucune distinction entre le hadith ahad ou un mutawatir. Dès lors que le hadith il est authentique, on le prend. C'est ce que ça veut dire. Car la communauté n'a cessé de s'appuyer sur ces ahadiths, ahad, dans les informations ou dans les lois. La plupart de ces ahadiths, ils sont ahad. D'accord? Donc, il ne faut pas les rejeter. Et aucun des salafs ne les rejetait. Il dit, les sahaba, les tabi'oun et les gens du hadith n'ont cessé de s'appuyer sur ces informations concernant les noms et attributs d'Allah, le destin et les règles religieuses. Il y a eu ijma' sur ça. Consensus des savants et des salafs sur le fait qu'on ne doit pas faire la distinction entre le hadith al-ahad ou al-mutawatir fi al-ahkam ou al-khabariyat, ou al-khabariyat fi al-khabariyat ou al-talabiyat. Celui qui a nommé le ijma', il y a l'imam al-Nawawi, qui, comme vous le savez, kana shafi'iyan, qui était un grand savant de mazhab al-Shafi'i. Il y a Ibn Abd al-Baghra, qui était un maliki. Il y a Ibn Abil'iz al-Hanafi, celui que je vous ai cité la parole tout à l'heure, qui est lui de Mazhab al-Hanafi. Et d'autres savants qui ont cité Ijma'. C'est consensus. Donc il n'y a aucune divergence là-dessus, mes frères. Je vous dis ça, c'est important parce que à l'autre époque, il y a des gens qui essayent de faire revivre cette chose-là en disant non, le hadith ahad, on n'est pas sûr que ça soit une information valide. Alors que le prophète, il acceptait l'information d'une personne. Et même, il a envoyé, le prophète, il a envoyé, comme ça rapporté dans le Sahih al-Bukhari, d'après une version d'Ibn Abbas, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il a le Yémen. Il a envoyé un seul homme au Yémen pour apprendre aux gens du Yémen l'islam. Il a dit, il a dit, la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est la ilaha illallah. Donc le prophète, il a envoyé qu'un seul homme pour apprendre la religion à un peuple. Ce qui veut bien dire que on peut prendre l'information dans la religion d'une personne, dès lors que cette personne est fiable et intègre. Vous avez compris? Et les exemples comme ça sont nombreux. Comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala a changé la Qibla, qui était au début à Beit al-Maqdis. Et le verset coranique est descendu, et Allah a légiféré que la Qibla soit en direction de Mecca. Là, il y avait des gens qui étaient en train de prier. Et un homme est venu les voir, qui avait eu connaissance de la descente de ce verset. Et ces gens-là qui étaient en train de prier, ils étaient en génuflexion, en roulant quoi. Et l'homme qui est venu, il a dit, le verset est descendu, vous devez vous tourner vers Mecca. Et en plein roulant, ils se sont tournés comme ça. Et ils ont terminé leur prière. Et ensuite, ils se sont dit, est-ce que notre prière, ou toutes les prières qu'on a fait, seront comptabilisées? Et Allah a dit qu'il ne leur fera pas perdre le bénéfice de leur prière. Ceci, c'est dans le Coran. Donc, vous voyez que un homme est venu leur apporter l'information, un verset coranique, et ils se sont soumis à ceci. Là. Donc, c'est quelque chose qui est connu, mes frères. Donc, ne soyez pas trompés par ceux qui disent « Non, c'est un hadith ahad, ce n'est pas fiable, on ne le prend pas dans la aqidah et dans les informations que le prophète a pu nous donner. » D'accord? C'est clair, Inch'Allah? Je sais que c'est un petit peu technique et un petit peu fastidieux, mais comme c'est un cours enregistré, je me dois de détailler un petit peu, Inch'Allah. Le troisième point sur lequel s'appuient les gens de la Sunna, ou comment les gens de la Sunna se comportent face à la aqidah, comment ils prennent la aqidah. يقول المؤلف التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخاض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها مع عدم الخاض في العلم الكلام والفلسفة ورفض التأويل الباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. Tout ça là, c'est ce qu'on vient de dire. On vous le traduit en chat, vous allez comprendre. La soumission à la révélation, hein, se soumettre au texte religieux. La non-réfutation de celle-ci par la raison. La non-polémique sur les choses relevant de l'invisible. Ne pas polémiquer sur des choses qui relèvent de l'invisible. Comme l'ont fait le Mu'tazila. Le Mu'tazila, par exemple, il disait quoi? C'est impossible qu'il y aura l'éternité en enfer, au paradis. Pourquoi? Parce que la créature, l'être humain, il n'est pas voué à être éternel. Dans sa nature même, il n'est pas voué à être éternel. Hein? Donc certains d'entre eux ont dit que lorsque Allah les fera rentrer au paradis, ils resteront figés, ils ne bougeront plus. D'autres ont dit que le paradis s'éteindra à un moment donné. Donc toutes sortes de choses qui ne s'appuient sur aucune preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète, mais qui viennent même contredire ouvertement le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne pas polémiquer sur les choses relevant de l'invisible, ni sur la philosophie rhétoriste, ne pas faire de philosophie aussi. Il faut aussi rejeter les fausses explications. D'accord? Ce que je vous ai expliqué de Tahrif. Quand quelqu'un vient vous donner une fausse explication du Coran, on la rejette. Ça, c'est ce que faisaient les gens de la Sunna. Les fausses explications, on les rejette. Et ça, bien sûr, il y en a à l'appel. On devrait faire une liste exhaustive, on en aurait pour 3-4 jours. Et enfin, le regroupement entre tous les textes sur un même sujet, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les gens de la Sunna, lorsqu'ils veulent mettre en valeur une loi religieuse, ils rassemblent tous les textes du Coran et de la Sunna et ensuite ils sortent la loi religieuse. D'accord? On ne prend pas des textes comme ça indépendamment. C'est un tout. D'accord? C'est comme, par exemple, lorsque vous voulez parler, on vous pose la question sur une personne. On vous dit, comment est cette personne? Si vous l'avez entendu parler qu'une seule fois seulement cette personne, vous ne pouvez pas juger. D'accord? Vous l'avez vu que sur un état de colère. Vous ne pouvez pas juger sur lui. Par contre, si c'est quelqu'un que vous avez l'habitude de côtoyer, vous le connaissez quand il est en colère, vous le connaissez quand il n'est pas en colère, vous connaissez son tempérament, etc. Là, vous allez pouvoir parler sur lui. Vous avez rassemblé une multitude d'informations sur lui, et là, vous pouvez donner un bon point de vue ou une bonne description de cette personne. Mais si vous prenez juste la personne sur un instant T, il suffit que cette personne-là soit en colère et elle dise un mensonge, ou elle dise une grossièreté, et qu'on vous pose la question, vous allez dire, ah, cette personne-là, elle est vulgaire. Pourquoi? Vous l'avez pris sur l'instant T. Alors que ça se trouve, cette personne, à la base, elle n'est même pas comme ça. Vous voyez? C'est pareil pour le Coran. On prend l'ensemble des versets qui se rapportent à ce sujet et l'ensemble des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si besoin est, on rapporte aussi à quoi les Sahaba. Hein? Cheikh Raslan dit, à la suite de ces trois points-là, ceci représente les plus importantes caractéristiques de la voie des salafs dans la croyance. Il convient que tu aies toujours en tête cette méthodologie et que tu chemines sur la voie de tes pieux prédécesseurs comme nous l'ont montré les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Il convient que tu t'écartes de la voie des déviants et que tu te retournes vers ceux sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. En étant persévérant quant à l'apprentissage de ceci, en croyant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené comme croyance et en appliquant ce qu'il a ramené comme loi religieuse. Non. Il dit aussi, Cheikh Raslan, c'est plus ou moins en conclusion de ce chapitre, il dit Ahlus sunnati la yuqaddimuna ala al-wahyi al-ma'sumi shay'a la fikran wa la ra'yan wa la aqlan wa la nazaran wa mata thabata al-wahyu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kitaban wa sunnatan qalu sami'na wa ata'na. Les gens de la sunna ne font pas devancer un concept, un avis, un raisonnement sur les textes de la révélation. Dès lors que la révélation est établie et prouvée comme remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam du livre de la sunna, ils disent nous avons entendu et nous avons obéi. Sami'na wa ata'na. Il dit aussi Ahlus sunnati yarfuduna at-ta'wil al-batil wa yajma'una bayna an-nusus fi al-mas'alati al-wahidati wa la yajtazi'un. Les gens de la sunna rejettent les interprétations fausses et invalides et ils regroupent tous les textes portant sur une même problématique sans se contenter d'un seul texte. Non, ils ne font pas de la complaisance où ils se contentent d'un seul texte. Et enfin il dit Ahlus sunnati nuqawatul muslimin fahum khayrun nasi linnas yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa kama fi وصف الله تعالى للمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون به في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. Il dit les gens de la sunna sont les meilleurs des musulmans. نقاوة المسلمين, les meilleurs des gens pour les gens. Ils suivent la vérité et sont miséricordieux envers la créature ou envers la création. Comme le dit Allah le Très-Haut en décrivant les musulmans, vous êtes les meilleurs des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Abu Huraira a dit concernant ce verset coranique, les meilleurs des gens, vous êtes les meilleurs des gens. Vous venez à eux en leur posant des salasil, des chaînes autour du cou, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam. L'imam al-Barbahari a dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion vient d'Allah le Très-Haut et elle n'est pas assujettie au raisonnement des gens et à leurs avis. Sa science relève d'Allah et de son prophète. Ne suis pas une chose par tes passions, car tu risques de sortir de la religion de l'islam. Tu n'as pas d'argument à faire valoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement exposé sa sunna à sa communauté et il l'a éclairci à ses compagnons. Il représentait le groupe As-Sawadul A'zam. Et Sawadul A'zam, c'est la vérité et ses partisans. Je vais m'arrêter ici parce que la parole d'Imam al-Barbahari est à peu près à confusion. Il dit à un moment donné, « Ne suis pas une chose par tes passions car tu risques de sortir de la religion de l'islam. » Alors pour expliquer ceci, l'imam Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui est l'ancien moufti de Diyar Najdiya, ancien moufti du Najd, en Arabie Saoudite, il est mort il n'y a pas très longtemps, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il a expliqué cette parole et il a dit tu risques de sortir de la religion de l'islam, il y a trois possibilités, il y a trois sens. Ou bien on explique par rapport à celui qui rejette et conteste une chose de la croyance essentielle. Il dit ou bien on le comprend comme ça, ou bien deuxièmement, ça signifie que ces actes peuvent l'emmener à la mécréance. C'est-à-dire, à force de suivre tes passions, tu peux arriver à la mécréance. D'accord? Comme c'est le cas aussi de beaucoup de personnes. Il dit ou bien la troisième considération, c'est qu'il désigne ici par mécréance la petite mécréance, mécréance mineure. C'est-à-dire la mécréance kufr ni'ma. Par tes passions, tu vas être amené à renier les bienfaits qu'Allah t'a octroyés, notamment par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa guidée. D'accord? Il dit aussi quelque chose de très important. Al-Barbahari, il dit la religion n'est pas assujettie au raisonnement des gens ni à leurs avis. Cheikh Najmi explique ceci en disant que l'on sache qu'Allah Azzawajal n'a pas défini la vérité sur la raison humaine ni sur leurs passions. Car pourquoi? Car la raison humaine diverge et les passions sont contradictoires et sont hétérogènes les unes des autres. Si la vérité était basée sur les passions des gens, elle serait alors à multiples facettes. D'accord? Et elle serait hétérogène. Comme le sont la couleur des gens, leur couleur de peau, leur visage, leur tempérament. D'accord? Les gens, ils sont aussi différents qu'ils sont nombreux. D'accord? Donc, il dit, si la vérité était basée sur la passion des gens et sur leur raison, il y aurait autant d'islam que de personnes, en contradiction les unes avec les autres. Mais plutôt, la vérité est plutôt ce qui vient d'Allah par la bouche de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, ça c'est Cheikh Najmi qui rapporte ce verset, Allah dit, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, et si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient corrompus. Si la vérité était conforme, était basée sur la passion des gens, les cieux et la terre et ce qui s'y trouve seraient corrompus. Mais au contraire, nous leur avons donné leur rappel. Ce qui veut dire que la vérité, elle se trouve où? C'est le kitabi wa sunnati ala fahmi salaf al-ummah. Mais au contraire, nous leur avons donné un rappel, mais ils s'en détournent. D'accord les frères? Donc, al-haqqu mahsurun fil kitabi wa fil sunnati ala fahmi salaf al-ummah. Et enfin, l'imam al-Barbahari, il dit, et ça je vais terminer le chapitre et le cours avec ceci, il dit, وَالْأَسَاسُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَسَاسُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةِ هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. Il dit, la base, c'est sur quoi s'appuie le groupe, qui sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sont les gens de la sunna du groupe. Celui qui ne puise pas d'eux, s'est égaré et a innové. Et chaque innovation est un égarement, et l'égarement et ses partisans sont destinés à l'enfer. Voilà mes frères. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana إلى منهجي أو في منهج السلف الصالح وأن يزيدنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علما.